Some join go yo. Please sit down. President, this morning the trial chamber is continued its session of the case 401. L'audience est reprise concernant in le 2007. The greffier report the presence of the concerned parties and the witnesses to be summoned for today's hearing. De bien vouloir rendre compte des parties présentes et des témoins que nous allons entendre aujourd'hui. Le greffier. The greffier. Son groupe. Your Honours, Mr. President. Monsieur le Président. The civil parties are all present, and the parties are present, and the witnesses are all present. Thank you. Ainsi que les parties et les témoins. Merci. The President. Le Président. Greffier. Put those records of the witnesses in the transcript. Next. Voilà qui est donc précisé au fin du compte rendu. May the court officer. Je demanderai maintenant bring in the à l'huissier de faire entrer KW le témoin KW31 into the courtroom. Bon, Chan Vuen, Chan Bente. Is your name Chan Vuen? Est-ce que vous appelez bien Chan Vuen? The witness. Le yes, témoin. My name is Chan Vuen. Oui, mon nom est bien Chan Vuen. How old are you Question. This year? Quel âge avez-vous? The witness, réponse. I am 56 years old. J'ai 56 ans. The president. Question. Where is your current address? Quel est votre domicile actuel? The witness. Réponse. I lived in Am Leang sub-district. J'habite dans le what is district your occupation? De Am Leang. Says the president. Question. I'm the farmer. Quelle est votre says the profession? Witness. Réponse. Je suis agriculteur. Accord. According to the report from the greffier, le président, il you are not related que by blood que vous n'êtes or pas, by in-laws to the parties in this avec, case. Is that correct? Les parties ici présentes, est-ce exact? That réponse, is correct, says the oui, witness. C'est exact. Are you a relative to Question. Lodge or
through any other parties in this case, says the president. À la présente affaire? The witness. Réponse. Yes. With whom then, says the president. Question. Connaissez-vous plutôt? I am not clear, says the witness. Autre partie présente. Are you a relative through any parties in this case, as the president? Parent d'une des parties dans la witness. Présente affaire? Yes. Le témoin, oui. To whom? Question. My uncle, says the witness. De qui? Réponse. What mon is his name? Question. His name is Soy. Réponse. Il s'appelle Soy. Where is he? He's in Piem village. Réponse. Il est au village de Piem. What is he? What is his current occupation? Que fait-il actuellement? As the president. He's not doing anything. He stays réponse, there. Il ne fait rien. Says il est, the witness. Il reste à la maison. The president's microphone is not on. Le micro du président n'est pas branché. The president. So as is in the report of the greffier, you are not related by blood or by descendant or in-law to any other parties in this case. L'une quelconque des parties à la présente affaire. In this case, the trial chamber invites you as a witness. En ce cas, la chambre de première instance. And as a witness, the trial chamber requires you to take an oath before providing your testimony. Have you taken an oath yet? Avant the witness. De déposer. Yes, I already took an oath. Est-ce que vous avez déjà prêté serment? Réponse oui, j'ai déjà prêté serment. The president. In this case, the trial question. Chamber invites you to provide your testimony of what you have heard, have seen related to the facts and the security office M13 located in Om Leng, Phong District, Kampong Speu Province during the 1970s, that is from 71 to April 1975. So that is just a brief information for the intention of inviting you to provide a testimony in today's hearing. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? The witness. Yes, réponse. I do. Oui, je comprends. The president. Next. Question. The chamber will declare your rights as a witness. You vous avez des droits en tant que témoin. Decide not to answer any questions or to make any statement which could be self-discriminatory. Vous risqueriez de vous incriminer. Do you understand this right? Est-ce que vous comprenez ce droit? The witness. I do not really understand it. Non, je ne comprends pas. The president. Le président. This means cela veut dire if in your testimony que si au cours de votre déposition, it is related to what happened or what you committed during that time, you do not have to answer or to make any statement regarding that fact. However, you can provide other reasons of use which you have seen, have heard, besides the acts you did it yourself. En dehors des actes que vous auriez commis vous-même. That is self-incriminating. C'est cela le principe de la non-incrimination de soi-même. Est-ce the que witness? Vous comprenez yes, maintenant? I do. Le témoin, oui, je comprends. Bon. The president. Can you tell the chamber? Question. Est-ce que vous pouvez dire à la chambre? If you know M13 Security Office located in Om Leng in Tpong District, si Kampong Speu Province, which existed si vous avez eu, in comment vous avez the 1971 to 1975. Do you really know that office? À Om Leng, entre 71 the et 75. Est-ce yes, que vous avez I connu do know it. Ce bureau? Réponse, oui, je connais the president. M13. Question. How come do you know that location? Comment se fait-il que vous connaissiez M13? Réponse. Because I used to work with him. Je travaillais à M13. The president. Question. So at that time you were a staff at vous étiez donc membre du personnel office? Du bureau de sécurité?
The witness, yes. Réponse, oui. The president. Le président. Did you live in the secret office M13 in Kapong Speu province for how long? Vous résidiez Do you à remember M13 the date? Et pendant combien de temps? Est-ce que vous vous souvenez des the dates? Witness. Le témoin. I don't really remember it, Je but me souviens I pas vraiment, stayed there for 1 year with him. Mais j'y suis resté un an. So you stayed for 1 year, so it's the Question. President. Un an. Is it from 71 to 72 or 72 to 73 or 73 to 74? 72-73 ou 73-74? Probably it was in 74. Je crois que c'était vers 74. 74 or 75? 74 ou 75? The president. Question. Can you describe the events Pouvez-vous décrire you observed during the time ce que vous avez you pu observer lived in M13 for pendant that le one temps que year. Vous avez passé What did you see? Dans cette année que vous avez What passé did à you M13 hear in that location? Qu'avez-vous vu et entendu à M13 Please describe it to the chamber. Je vous invite à the witness, le décrire yes, à la I can chambre. Do that. Réponse oui, je peux le faire. I entered and worked with him. Oh, I saw him working there. I saw his activities with my own eyes. J'y ai travaillé, je l'ai vu, j'ai vu ce qu'il faisait First de mes I've propres arrived. Yeux. Initially, I was in the army, but after Au we départ, were defeated, dans l'armée, we were sent to Dutch défaite, unit. Nous avons été envoyés When dans I arrived, de Duc. I did not see what happened. Quand I saw je him. Suis arrivé, Tying up the prisoners, I saw this with my own eyes. Qui ligotait les prisonniers. So he hanged the prisoners, he beat the prisoners during interrogations. That's what I saw at that Dutch office. Voilà ce que j'ai vu à M13. I myself did not stay there all the time. I was assigned to the economics unit to find food for the prisoners to eat. Et je devais trouver in de one month or in a fortnight, I entered the office. Donc so I did not know clearly of his daily activities je ne suis donc pas au courant at the office. Only when I arrived at the office, I saw him mistreating the prisoners. I did not stay permanently there. So probably in a week or in a month, I came into the office. Je venais au bureau quelques fois par semaine ou par mois. Worked with him. I also had an issue with him too. J'ai aussi eu un problème avec lui. That is my opinion. The president. Question. At that time, how old were you? Quel âge aviez-vous à l'époque? Réponse. At that time, I was around 20 something. J'avais 20 ans, un peu plus de 20 ans. The president. Question. At that location, in total, including Dutch himself and his subordinates à and M13, the security guards, en incluant Dutch I'm talking about all the staff sécurité, working in that office. Donc, how many altogether, as you know it, combien y the witness? There were many, but I cannot remember réponse. Most of their names. Beaucoup, mais probably je more pas than 10. Mais plus que 10. The president. So you were in charge of finding food supplies Donc, in the economics unit, that's what it's called at the time, right? Trying to find food camp, to supply the unit, the office. Main. Did you work as a security guard or as Est-ce an interrogator? Est-ce que vous avez aussi travaillé comme garde, the witness? Comme interrogateur? No. Réponse, non. I did not interrogate prisoners because I was at the economics unit. Moi, j'étais à l'économa. After I returned from finding the food supplied, when they did not have enough staff, I was used as a guard sometimes. Et j'ai aussi travaillé comme garde parfois quand il n'y avait pas assez de To guard for 1 or 2 days, then I left to garde. Find food supply again. Mais après, je repartais pour trouver à manger pour le camp. During the time Question. That you observed, in one day, on average, pour ce que vous avez pu how voir, many detainees in that location? Y avait-il de détenus en moyenne The witness. À M13. Sometimes I saw more than 10. Parfois plus que 10.
After I went outside and I returned again, sometimes I saw less than 10. Parfois moins que 10. And I didn't know what happened to them or where they went. Je ne savais pas ce qui s'était passé avec ceux qui avaient disparu. Sometimes I stayed there constantly. Sometimes I went out for 1 or 2 weeks. Parfois j'étais parti. And sometimes when I returned back, those 10 or so, there were only 5 or 6 of them remaining. Il ne restait parfois que 5 ou 6 détenus sur les 10. The president. Any of the bench judges have any questions Est-ce for the witness? The floor is yours. Aux témoins, je vous en prie. President, juge Laverne, je vous judge en prie. Bench, the floor is yours. Est-ce que nous pourrions judge tout d'abord Laverne, demander à l'accusé de se lever? Ask the accused to please stand up. Est-ce que le témoin pourrait regarder l'accusé et nous dire s'il le reconnaît. At the accused and tell us if he can recognize him. Oui, je le connais, dit le témoin. Vous pouvez vous asseoir. The witness, yes, I recognized him. Vous avez indiqué être resté pendant à peu près un an à M13. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles étaient les personnes détenues? Est-ce que c'était des hommes, des femmes, des enfants? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? The witness? But one. Yes, I can. The detainees, including children, parmi les détenus, spouses, il y avait des wives enfants, and husbands. Des couples, mari et femme. So, actually, most of those from the Om Liang sub-district, they were arrested and detained there. Et la plupart venaient du district de Om Liang. At that office. Et étaient détenus à M13. Including two of my relatives. Y compris deux membres de ma famille. So there were children as well. Et il y avait aussi des enfants. Both male and female adults. Des filles comme des garçons. Quel âge avaient ces enfants? Judge Laverne, how old were these children? The witness. The children's age range from 3 to 4 years old, so they were pretty young. Les enfants avaient entre 3 et 4 ans, ils étaient très jeunes. Est-ce qu'il y avait des prisonniers de guerre, des prisonniers de l'armée républicaine, du régime de Lon Nol? From the Lon Nol Republican Army. The witness. I only know those who were sent from the Om Liang sub-district. I didn't know about the rest. Je ne connais que ceux qui venaient de Om Liang, du district de Om Liang. Pour les autres, je ne sais pas. Donc, il y avait des détenus qui n'étaient pas des détenus du district d'Om Liang, mais vous ne savez pas d'où ils venaient ni qui ils étaient. Qu'est-ce que vous nous dites? Yes, that is correct. Oui, effectivement. I only recognize those from Om Liang. Je n'ai reconnu que ceux qui venaient de Om Liang. Est-ce que vous savez pourquoi les gens étaient détenus à M13? Do you know why people were detained in M13? The witness. I didn't really
No, but probably they were detained. Non, probably pas vraiment. They were accused of Mais being spies. Sans doute qu'on les accusait d'être des espions. Est-ce que tous les détenus étaient traités de la même façon ou est-ce qu'il y avait différentes catégories parmi les personnes détenues? The witness. I could not hear properly. Je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce que tous les détenus étaient traités de la même façon ou bien est-ce qu'il y avait des différences? Est-ce que, par exemple, il y avait des détenus qui étaient autorisés à aller travailler et d'autres qui ne l'étaient pas? The witness. Yes. Le témoin. Some were. Oui. Some detainees. Certains détenus. Were allowed to go out. Étaient autorisés à sortir. But some were not. Only a few were allowed. Ce n'est pas le cas pour. Ce n'est pas le cas pour d'autres. C'était seulement le cas pour quelques-uns d'entre eux. Because, for example, from the quelques-uns d'entre eux étaient autorisés à sortir some parce of them que I didn't know where they went. Certaines personnes, only par exemple, du district de Amleang, eh bien, il y en a quelques-uns qui sont partis, on les a plus revus. Only survived more than 70 people from Amleang sub-district disappeared. Plus I didn't know where they went. I didn't know where he Je sent them to. There were more than 70 of them. Mais and only three survived today. 70 personnes sub-district. Ont disparu. Seules trois d'entre elles ont survécu du district du sous-district d'Amleang. Voilà. Ce que vous nous dites, George c'est que Lavelle, pendant l'année où vous avez été en fonction à M13, vous avez personnellement constaté qu'environ 70 personnes ont disparu. Est-ce que c'est bien ça? Is that correct? The witness. That is correct. Le témoin, oui, c'est exact. Them. They disappeared. Je ne les ai plus revus. Only ces personnes ont disparu. Seules trois d'entre elles ont survécu. Released, and I didn't know about the rest. Libérées. Je ne sais pas ce qu'il est advenu du reste de ces personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire George Lavelle, quelles étaient les conditions de détention? Où étaient précisément les détenus? Est-ce qu'ils étaient est-ce que vous pouvez nous dire s'ils étaient enchaînés, où est-ce qu'ils étaient placés? They were chained, and can you tell us where they were placed? The witness. Le témoin. I will tell you the truth. Je vais at that detention vous dire center, la vérité. There were dans pits. Ce centre de détention, ces personnes étaient. There were three prisons in a row. Donc il y avait en fait trois the detainees prisons were d'affilée. There. Les they détenus into y étaient a ring attached to the metal bar attachés à and une barre de métal. And when they were ils étaient enchaînés. Up, they were et lorsqu'on les faisait sortir, eh bien, that's on les enchaînait autour du cou. C'est ce que j'ai vu although de mes yeux. Although I worked with the economic units, but when I returned, that's what I saw. So when they were let out to work, they were chained to the neck. Quand je revenais du travail, je voyais que ces personnes étaient enchaînées par le cou. Vous dites qu'il y avait trois prisons. Est-ce que vous pouvez décrire ces prisons? Qu'est-ce que c'est que ces prisons? Can you describe them? What were they? The witness. Le témoin. You mean those who survived? Vous voulez dire pour ceux qui ont survécu? As I told you, comme je vous l'ai there are three who survived. One is il n'y a que trois personnes old, qui ont survécu.
une s'appelle Aung. The second is Bong, and the third one was Son. These three were released by him from that office. Ces trois personnes ont été libérées par lui de ce centre de détention. Concrètement, est-ce que les personnes étaient détenues dans des maisons, dans des fosses? Est-ce que vous pouvez décrire l'endroit où ces gens étaient détenus? The witness. Le témoin. First, the three. Tout d'abord. Were detained and then they were released outside of the prison. Ensuite, elles ont été libérées à l'extérieur de la prison. Est-ce que vous pouvez nous dire si les détenus avaient suffisamment de quoi à manger? Whether the detainees had enough to eat. The witness. About the food supply, they did not have enough food to eat. Alimentaire, eh bien, les personnes n'avaient pas suffisamment à manger. Les personnes n'avaient que du gruau. Même les gardes had gruel to eat. That's what he gave, little gruel to eat. It's hard for us to even work. C'était déjà suffisamment difficile pour nous travailler parce qu'on était fatigués. Et ceci était la conséquence du manque de nourriture. Est-ce que vous avez constaté si les détenus mangeaient la même chose que le personnel? Et est-ce que dans le personnel, tout le monde mangeait la même chose? Did everybody eat the same thing? The witness. The detainees and the guards ate the same time. Eh bien, les gardes comme les détenus mangeaient la même chose, c'est-à-dire du gruau. For the detainees, they had like watery gruel, but for the guards, they had thick gruel. Dilué, alors que pour les gardes, le gruau était plus solide. Est-ce que vous avez vu des gens mourir de faim? George Lavergne, did you see people die of hunger? The witness. Le témoin. No, I did not. Non. Est-ce que vous avez vu des gens, est-ce que vous avez vu des détenus mourir de maladie? Did you see detainees die of illness? No, I did not. Le témoin, non. Est-ce que vous avez vu, constaté qu'un jour il y avait eu des pluies très importantes à M13 et que cela avait pu causer des problèmes? And did you observe that this had caused problems? The witness. Le témoin. When it rains heavily, there was a flood because the office was near a stream. Eh bien, en fait, le so there was a flood. Centre se both trouvait the detainees and the guards were in chaos. The guards climbed up the trees to avoid the flood. At that time, dans in une the situation, some ils devaient monter dans les arbres pour se sauver les eaux. Certains des détenus sont probably, morts, not many d'autres died ont survécu dans ces fosses. Mais peut-être que peu d'entre eux sont morts suite à cet événement parce qu'il y avait peu de détenus à l'époque, à ce moment-là. Ce que vous nous dites, c'est George que Lavergne, certains détenus sont restés dans les fosses et certains sont morts noyés dans les fosses. Est-ce que c'est ce que vous avez dit? The pits. Is that what you're saying? The witness. Le témoin. Yes, that is oui, the truth. C'est la vérité. C'est quelque chose que vous avez vu personnellement.
This is what you saw personally, asks George Lavelle. Bad. The witness. Bad. Yes. Le témoin, oui. Vous nous avez dit que Lavelle, dans ce centre, les détenus center, étaient ligotés et qu'ils étaient interrogés. Est-ce que vous pouvez nous décrire plus précisément ce que vous avez vu exactly des interrogatoires? Est-ce qu'il y avait des méthodes particulières pour interroger les détenus? Specific methods used to interrogate the detainees? The witness. From what I saw, d'après ce que j'ai pu voir, they were stripped naked and donc les personnes étaient, on leur enlevait leurs vêtements, elles étaient battues. That's what I saw with my own et c'est eyes. Ce que j'ai vu de mes propres yeux. Qui effectuait les interrogatoires? And who conducted the interrogations? But the witness. It's him, Dutch. C'est lui, Duc. Est-ce que vous avez vu d'autres personnes effectuer des interrogatoires ou est-ce que vous n'avez vu que l'accusé interroger les détenus? Or did you see only the accused conducting them? The witness. Le témoin. Amongst them, there were two of them, including Tian. Il y en avait deux, avec Tian, y compris Tian. Only these two were interrogating seules the ces detainees. Deux personnes interrogeaient les détenus. Ce sont deux personnes en plus de Duc. Ou c'est two Duke in addition et to une Duke, autre personne. Or do you mean Duke and someone else? But yes, that is correct. Le témoin, only oui, Duke c'est exact. And Tian. Seul Duke et Tian. Vous nous avez dit que vous avez vu, George si j'ai bien compris, if vous I avez vu Duke clearly, porter you saw des coups. Duke. C'est ce que vous avez dit? Hit people. Is that what you said? But the witness. Yes, that is témoin, true. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il utilisait pour donner des coups? George Lavelle, what did he use to hit people? The witness. Le témoin. Sometimes he used quelquefois, a club il utilisait to beat the detainees to interrogate them. Alors pour les interroger, another pour person, les frapper, I saw him burn the detainee alive. Les gifles, mais j'ai the également was vu certains détenus brûlés vifs. I did not ils étaient suspendus, at the time ils étaient brûlés vifs. Je n'ai rien vu d'autre à ce moment-là. J'ai peur que l'on m'accuse d'être lié à ces personnes-là d'une manière ou d'une autre. Et j'ai vu les personnes... Donc on leur avait enlevé les vêtements et ensuite on les avait suspendus. Quand vous dites George les Lavelle, personnes, c'était des hommes persons, et des femmes ou ce n'était que men des hommes? And women or was it just men? The witness. Le témoin. I do not clearly understand. Je ne comprends pas la question. Alors, je vais répéter. Lavelle, I shall repeat. Vous avez dit que vous you avez vu Duc donner des coups à des personnes. Est-ce que ces personnes were que Duc frappait, c'était des hommes exclusivement, ou est-ce que c'était des hommes et aussi des femmes? Were they men and women? The witness,
le témoin. As I've said, comme je l'ai dit, there were male and female. Il y avait des détenus hommes et des détenus femmes. Et les for the male detainees, they only beat. But for the female detainees, alors les détenus he used the torch hommes to étaient burn frappés. The pour les détenues femmes, les femmes détenues, eh bien, il a utilisé la torche pour leur brûler la poitrine. Donc, vous avez personnellement vu Duc brûler la poitrine de femmes à l'aide d'une torche. C'est bien ça? The witness, yes, that's what I saw with my own eyes. C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. He used a gasoline attached onto a stick and burnt it, and then burnt l'essence. That's what I saw with my own eyes. I stood and watched it. Une torche et il l'a utilisé. Donc c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Est-ce que cela s'est passé plusieurs fois ou une seule fois? Le témoin. I only saw one time when that female detainee was burned. Fois lorsque cette femme détenue a été brûlée. Est-ce que vous vous souvenez si cette femme était entièrement nue ou est-ce qu'elle avait encore des vêtements? The witness. Le témoin. Only her shirt was taken off and then her chest was torched. Enlevé. Et donc ensuite, sa poitrine, on a mis le feu à sa poitrine. Est-ce que vous avez vu des détenus pendus par les pieds pour être interrogés? Le témoin. I saw it, but they did not. They were not hung by the feet, but they were tied and hung by their arms, which were tied behind their back. Les bras qui étaient that's what I saw with my own eyes. Dans le dos, et ensuite suspendu. Est-ce que vous avez vu des détenus qui étaient plongés dans l'eau, dans la rivière ou ailleurs? Le témoin. I saw it, but I do not remember that female detainee. J'ai vu cela, mais je ne me rappelle pas de cette femme détenue. She was submerged into the waters. There were three of them at the time. Immergée dans l'eau. But I did not know the name of that female detainee. Je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas son nom. J'ai simplement vu cet événement. Elle a été immergée dans l'eau pendant un interrogatoire. Quand vous dites immergé dans l'eau, c'est-à-dire que tout le corps était dans l'eau, y compris la tête, ou est-ce que seulement la tête était dans l'eau? Including the head, or do you mean just the head was put into the water? The witness, le témoin, she was plunged into the water, so she was suffocating at the time. Donc à ce moment-là, elle était en situation de suffocation. On l'a mis
plusieurs fois dans l'eau, ça a été quelque chose de répété, ça a duré longtemps, ou c'était simplement une fois? The witness, I only saw this one time. J'ai vu cet événement qu'une seule fois. When the detainee was plunged into the water. Lorsque cette femme détenue a été immergée dans l'eau. Est-ce que vous avez vu que lors d'interrogatoires, on pouvait utiliser des pinces ou est-ce que vous avez vu qu'on ait pu mettre des aiguilles dans les doigts, sous les ongles des détenus? Non, je n'ai pas vu ce genre de choses. S'agissant de l'accusé, est-ce que vous avez vu l'accusé tirer sur des détenus? Shoot at detainees. The witness, let me tell you the truth. Yes, I did. Permettez-moi de My uncle de dire la saw vérité. It. Oui, je l'ai he was tied vu. To a Mon post. Oncle l'a vu. Il a été And then he two poteau, bullets from the AK rifle were shot at him. One hit his left shoulder, and the other one left his chest. And he died suddenly. Été, he was my uncle. Touché à la poitrine. Il est mort. He was shot by Dutch. Il a, he killed him a tiré dessus. Il l'a in tué front of me, in front devant of my moi, eyes. Sous mes yeux. I was a guard too, and he also detained me later. And he's the one who shot my uncle, who was tied to the post. Tiré sur mon oncle et l'a tué. Mon oncle était attaché à I only saw my uncle shot by him. Je n'ai vu que mon oncle qui donc Duke lui a tiré dessus. Est-ce que vous avez vu d'autres scènes où Duke aurait tiré sur des détenus? Le témoin. I did not know. I saw The detainee were tied to the post. Pas, Maybe they could not get the answer, and for my uncle, he was tied to the post. Peut-être pas obtenir de réponse, mais j'ai vu mon oncle attaché à un poteau. Est-ce que vous savez pourquoi votre oncle you know a été exécuté? Your uncle was executed? The witness. Le témoin. I did not know the reason. Je n'en connaissais pas he la raison. He was detained in that prison. Il était détenu And in that morning, he was tied prison. To the post. I saw matin-là, he was being interrogated. Je voyais qu'il était At that time, I was smoking. À ce moment-là, je And then I heard the gunshot. Et j'ai entendu des coups and de feu. And I saw my uncle shaking. Et j'ai vu mon on the pole trembler. And another shot, and he fell onto the ground dead. Sur le poteau, et ensuite il est tombé au sol, mort. Est-ce que vous avez été à l'extérieur de M13 et est-ce qu'à certaines occasions, vous avez pu constater qu'il y avait des endroits où on pouvait trouver des cadavres? I saw one day un jour j'ai vu at that time I had some wood
And some prisoners who were outside at times. Je portais du bois et certains. Actually, I went to chase the deer with the detainees, and I was asked why or who led the prisoners to the detainees to chase the deer, and I was asked by him to the office. Du gibier. And he asked why I led the detainee to that location. Je me suis demandé pourquoi on laissait sortir le détenu. He was not in the office, so I sneaked into that location. Je me suis and I saw three or four pits there filled with corpses. Dans ce site, it was south of the stream. That was the first time I knew there were pits because I was with the economics unit and I did not go to that area. Only on that day when he was not in, I went there and I saw the pits. J'ai vu les fosses ce jour-là. Qu'est-ce qu'il y avait dans les fosses? What was in the pits? The witness. Le témoin. In those pits, dans ces fosses, there were dead bodies. Il y avait des cadavres. Beaucoup de cadavres. Est-ce qu'il y avait des cadavres d'enfants aussi? Were there dead bodies of children as well? The witness. Le témoin. I did not see any children. I only saw adults. De cadavres d'enfants, je n'ai vu que des cadavres d'adultes. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez eu un problème avec Duc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était ce problème que vous avez eu avec l'accusé? But. The witness, yes, I can. I had oui. a problem with him. Effet, he assigned me to guard the detainees. After I returned from finding the food for the detainees, he needed the guard, so three of us were assigned to guard while they built the dam. And I was so exhausted, so the detainee cut the chain and escaped. And I fired two shots into the sky. And then he asked where the prisoners escaped. And then who was responsible? And then they said, Wood was responsible. Et qui était responsable. So I came to his office. Then he asked me to take off my clothes. I only wore my shorts. So he took off my guns, my sacked. And then he put me into the prison. Il m'a he emprisonné. Imprisoned me from that day. Et à partir de ce jour-là, j'étais and incarcéré. He himself also sometimes guarded it too. Il One day, m'a fait garder I was so un afraid. Jour. J'avais and it was tellement peur. The prison was built of a bamboo fence, so I sneak out and ran to the cooperative. Clôture de bambou, et donc je me suis échappé. Je suis allé à la coopérative. People whispered to me, if I did not run away, then I would be killed. Souffle à l'oreille because he would shoot me. Si je ne m'étais pas if évadé, bien il m'aurait speak tué. With his stern face, that would be okay. Donc, but if he speak si and with a smile on his face, then it would be a dangerous time. So I was in prison because I allowed the prisoner to escape. Donc, then I went to the cooperative, and with the assurance from the cooperative, he took me back to his office. Et on m'a assuré à la coopérative qu'il ne me tuerait pas, et donc je suis revenu finalement. Judge Levin. Ces détenus qui ont réussi These à s'enfuir. Prisoners who were able to ils escape. Étaient nombreux. Were there many of them? Il y en avait plusieurs. Did many of them manage to escape? The witness. Le témoin. Only three detainees escaped because I was guarding the three. Et je gardais. They cut the chain and escaped. If they were to take the gun and shot me, I would have been dead. But they only cut the chain and escaped. Ils ont coupé la chaîne et ils se sont enfuis. Il ne s'agissait que de trois d'entre eux.
So I guarded the three and et all je, escaped. Je regardais trois et les trois se sont échappés. Judge Laverne, yeah. Est-ce que vous les connaissiez et est-ce them? Que vous les avez aidés and à s'enfuir? You help them escape? The witness. Le témoin. I knew one. His je name was Mon, but I did not Mon, know the other two. Mais je ne connaissais pas les deux autres. Est-ce que vous les avez laissés s'enfuir ou est-ce que vous les avez aidés à s'enfuir? Ou est-ce qu'ils se sont enfuis tout seuls? Ils m'ont demandé escape. So I allowed them. I allowed them to cut the chain and escape. And I told them, if you were rearrested, don't say it's me who allowed you to escape. I let them cut the chains by themselves. They used an axe underneath and put the chains on top of the axe, and they used the other two axes to break the chain. Utiliser les deux autres parties so de la chaîne pour casser la chaîne, briser la chaîne. From the chain, donc une fois libéré, and one axe was damaged, so they use another axe to ils ont cut utilisé the chain une autre again. Hache pour and couper then, ce qui restait the, de la chaîne. Was damaged, so I asked him to use et the ensuite, chain under the axe underneath to cut the chain again. La chaîne, so they ce qui they broke pour those chains from their necks. Ce qu'il y avait. And there was coupé, like ils ont réussi à briser about la chaîne. Only 20 centimeters left from hanging from their neck. Et donc, il ne restait plus que à peu près 20 centimètres de chaîne qui pendait de leur cou. Quand ils se sont échappés, c'était à l'extérieur du camp? C'était des détenus qui étaient autorisés à travailler ou c'était dans le camp? Occurred in the M13 office and it caused a bit of a scene at the time because people asked who was responsible for the escape of the detainees and de said it was détenus. Me. And I said I did not allow donc, them to moi. Escape but it was my carelessness because actually I allowed un. Them because I knew Mon was in the army with me during the Lunol regime Mon so I allowed them to break the chains donc, and to escape laissé, then I was arrested my clothes were ordered to take off they took c'est my gun away and my sack away and that was the order from Dutch. Et ça c'était un ordre de Dutch. Vous avez revu Duc quand vous êtes revenu après avoir été à la coopérative. Est-ce que vous l'avez revu? Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? Yes, I saw him. Oui, je l'ai revu. At the cooperative, the village chief sent me back to Dutch office. Le village, le chef du village à la coopérative m'a renvoyé au bureau à M13 où il y avait Duke. Qu'est-ce que Duke vous a dit à ce moment-là? What did Duke tell you then? Duke told me that I can stay there, could stay there for a short while, de and then I would be transferred back to the cooperative, and he would write a letter to allow me to stay in the cooperative. Une lettre pour que je sois autorisé à rester à la coopérative. Est-ce Judge que Laverne, vous savez quand you know et comment M13 a cessé de fonctionner? Est-ce que, à un moment, il n'y a plus de prisonniers à M13? No est-ce que vous le savez et quand est-ce que c'est arrivé? And when did this happen? M13
I did not really know because Doc transferred me to the cooperative, so I was no longer with him. Donc moi, j'étais plus they released me to the cooperative. That's all what I know. Et c'est tout ce que je sais. I only know during the time je that I was with him and as I described about the torture, for etc. But after torture, I was transferred to the cooperative, I no longer knew what happened plus in that office. À M13. Vous nous avez parlé de votre oncle. You spoke to us about your uncle. Est-ce que d'autres personnes de votre famille ont été détenues à M13 ou est-ce que d'autres personnes de votre famille ont été employées à M13? Are you talking about my relatives? Vous parlez de mes parents, de ma famille? Because I could not clearly je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu la question. Est-ce que des gens de votre famille Judge ont Lavergne, été détenus à M13 en dehors de votre oncle? Aside from your uncle? The witness. No, only my uncle non, was uniquement detained, mon oncle. And my aunt was et ma detained tante. There. So in total, only my aunt and my uncle, the two, were detained donc uniquement in that ces deux-là office. Qui ont été détenus à M13. Est-ce que d'autres Judge membres Lavergne. De votre famille et peut-être des were neveux other relatives ont of yours, été employés maybe comme nephews, gardiens were they also ou comme employed personnel as guards à M13. Or as M13 staff. No, there was none. Non, personne. Est-ce qu'il y avait des gardiens qui étaient employés à M13 qui venaient du district d'Omlang? The witness. Some majority of guards came from Omlang. La majorité des gardes venaient d'Omlang. Quel âge avaient ces gardiens? How old were these guards? The witness. The guards. I know some of them and je connaissais certains there des gardes, more than 10 of pas them. Tous, il devait y en avoir plus de 10. Est-ce que ces gardes étaient des adultes were ou est-ce que c'était des enfants? Or were these guards children? The witness. They were children and adults. They were mixed. C'était un peu des deux, des enfants et des there adultes. There were some who were about my age, about 5 or 6. Then there were children. Il y avait qui avaient mon âge et puis il y avait aussi des enfants. Quand vous dites des enfants, Judge Lavergne, when you say ils avaient children, quel âge how à old peu près? Were they approximately? The witness. They ranged from 12 to 13 years old. Ils avaient 12-13 ans. Est-ce que vous Judge avez Lavergne, vu Duke? Vous avez dit tout à l'heure qu'il avait tiré Duke, sur votre oncle, mais est-ce que vous l'avez vu ordonner uncle, à des gardes et éventuellement à des enfants de tirer sur des détenus ou de les emmener pour être exécutés? So, I saw my uncle who was shot at that time there were j'ai no guards.
mon oncle a battu, il était ligoté et c'est Duke qui l'a abattu, sans qu'il y ait personne d'autre. Est-ce que en dehors de votre oncle, de la, du cas de votre oncle, dans d'autres situations, vous avez vu Duke ordonner à des gardiens de tirer sur des détenus? Non, je l'ai uniquement vu tirer sur mon oncle. Est-ce que vous avez vu Duke faire des rapports écrits ou écrire des documents? Or to write up documents? Did you see him produce any written reports? The witness. I saw him writing frequently, but I didn't know what he was writing because I was illiterate. Parce que moi-même, je ne sais pas lire. I didn't know the content. Donc, je ne sais pas ce qu'il avait dans le papier qu'il écrivait. Après avoir interrogé le détenu, il écrivait. Est-ce qu'il y avait des papiers de différentes couleurs? Were there documents of different colors? The witness. Yes, there were different colors, oui. Blue, white, bleu, blanc, small book, large book, des petits carnets, des plus grands carnets, par exemple. Est-ce que ces couleurs avaient des significations particulières? Did these colors have any specific meaning? The witness. There were three colors, blue, il y avait trois red, couleurs, bleu, and white, rouge, and the books were small and big. Et il y avait des petits et des grands carnets. Est-ce que le rouge signifiait quelque chose de précis? Did red mean anything special, anything specific, for example? The witness. The red colors was used, but I did not know the purpose of those different colors. Ce que voulait dire I le saw rouge big and small ou books, les autres those couleurs. Books of the interrogation. Moi, j'ai vu des petits carnets, des plus grands carnets pour les interrogatoires. Judge Lavergne. Est-ce que après votre départ de M13, vous avez eu à nouveau l'occasion de rencontrer Duke? Est-ce que notamment vous avez revu Duke après 1979 ou est-ce que vous avez entendu parler de lui? Did you hear about Duke after 1979? After I left his office, I did not meet après him avoir until quitté today. M13, je n'ai plus jamais revu Duke jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je n'ai pas d'autres questions Laverne, à poser au témoin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que vous n'auriez pas encore dit et que vous souhaiteriez dire aujourd'hui? The witness. No, I do not have anything else to add. Non, I have ajouter. Already told you what I know. J'ai déjà tout dit tout ce que je savais. Alors, je n'ai plus de questions au témoin, mais j'aurai éventuellement des questions no à l'accusé. No more questions for the witness, but I might have some questions that I would like to ask the accused. Bien.
Donc, Duc, vous venez d'entendre ce que vient de dire le témoin sur un certain nombre de points. Ces déclarations sont en contradiction avec ce que vous-même vous avez dit. Est-ce que vous pouvez vous expliquer ou donner vos commentaires sur ces contradictions? The accused, l'accusé. First of all, let me inform you that Monsieur et Madame Jan le juge, je dois commencer par dire que was not a staff Jan of Vân my office n'était pas M13. Membre du personnel de M13. Let me show you the evidence as follows. Jan Vân reported to the office of the co-investigating judges. A dit au co-juge d'instruction. In D78/1, dans la pièce D78-1, in that report, he said there was another person named Pond who was also an interrogator, but Duc already killed him, probably in 1974. Sans doute en 74. That statement was on page 3 of document D78.1. Document D78-1. And on page number 5, plus loin, la page 5, mentioned about an interrogator to the co-investigating judges. Toujours dans sa déposition au juge d'instruction. Pour l'instant, je ne vous demande pas de dire quelles sont les contradictions dans le témoignage de M. Jan Vân. Je vous demande de vous expliquer par rapport aux contradictions avec vos propres déclarations. Impressions on the discrepancies. S'il faut être plus précis, on va rentrer dans les détails. If you want to be more precise, then we will go into the details. Première chose, the first thing, le témoin a dit vous avoir vu personnellement commettre, d'une part, des actes de violence au cours d'interrogatoire. Il a fait état notamment d'une scène où vous auriez fait usage d'une torche pour brûler les seins d'une femme qui ne portait plus que le bas de ses vêtements. Alors, sur ce premier point, est-ce que vous avez des commentaires à faire? The accused. I can state that Jan Vân was not a staff of the M13 office. That is the reason. And about his testimony, he lied in some parts. Et dans certaines parties de and in some other parts, he only heard from other people and he fabricated il a simplement it. Entendu, so there was some truth in it. Entendu. For example, donc, il y a une part de vérité dans the ce M13 had 3 pits to detain the detainees. Par exemple, que M13 accueillait des prisonniers, c'est vrai, et dans des fosses. But when he was not a staff of the M13 office, mais il n'était pas membre du personnel de M13, he went to
find the food supply. And when he came, he saw the cruelty committed by me. Et puis que lors de ses passages au camp, il a vu des actes de violence que j'aurais commis. Et ici, that I shot a detainee who was detained there. I remember the person who I was ordered de la personne to be shot, qu'on m'a ordonné as I already stated, and the name was not Soy, the name was Yur. Il ne pas de Soy, il s'agissait de un dénommé Yur. Et celui qui a tiré was not Jan. Ce n'était there pas was another camarade. C'était un autre. That was an event in the M13 office. Ça, c'est un incident qui s'est passé but à instead, M13. He said his mais uncle was shot. Nous dit que son I oncle did not believe there was abattu. A person named Soy in or that je office. Ne crois pas qu'il y ait and eu about the touching Soy of the female's M13. Chest. Et pour ce qui est d'infliger des brûlures au sein Jan de la femme, did not say it was a lit torch. He said that Jan I dipped a piece of cloth into the gasoline and burnt the chest. Un morceau de I already reported to your honor about the lit torch. Infliger des brûlures à cette prisonnière. Or, on a déjà parlé when d'une torche Mr. Pond, Comrade Pond, asked Comrade Mears to learn quand how to interrogate, and I was present at the time at that, particular time. Bien présent. And when he said, I plunged a female detainee into the water with the other two people. I still reinstated that I went with Mr. with Comrade Bond, and then I let the person stood and shivering under the cold weather, and what he said was not true. And that he went to on another point that he went to chase the deer. That was not true. I never allowed any guards to go and chase after a deer. That was a lie. And about the burial pits. That is true, but it was on the other side of the stream, and that is true. Par contre, il y a d'autres choses qui sont vraies dans ce qu'il a dit. And in order for him to say that he saw what happened in the M13, that he went outside to find food supply for the economics unit, that was not true. We never assigned anybody in the economics unit to find food supply. If we did not have a right to eat, then the sub-district of Omlang committee would give us the right or the secretary of 32 sector. Or at night to go to the sector chairman to ask for rice. Nous aider à nous ravitailler. In 1973, they did not yet assign the cooperative, but the products of rice was under the supervision of the chief of the village or sub-district. Le chef du village ou du and in the M13 office, et we did not have any hammock for a person like Jan Vuon. How could Jan Vuon have a hammock to exchange for something? That was a lie. How could I assign somebody that Soy in the economic unit? I did not know this person. There was no name of Soy or Jan Vuon as staff of the M13 office. So, because he is not a member of the M13, he fabricated a number of points. Du personnel et une série de choses qu'il a dites and sont on the des point inventions. Of shooting a detainee, that is true, détenu, but the name was not Soy, but the name was Yil. Mais pas de Soy, il s'agissait d'un dénommé Yil. And when he spoke about the Omlang people, et there were 70 plus of them. I could think of about those people. I could recall about 20 plus of their names. D'une vingtaine de noms. And he said two of them survived. That is il true. A dit deux ont survécu, ça c'est vrai. They, those two were not were asked by the upper echelon not to et charge nous them. Avons reçu instruction and de we thought they were twins. Ne pas retenir d'accusation but contre later ces on, when the truck went to Posad, et plus I allowed the mother and j'ai the twins, autorisé la mère et les and jumeaux, probably son as well to go to Posad. Aussi that's à aller true. À Posad. Ça, c'est vrai. So he mixed both donc facts and fiction in his testimony. Et fiction dans son témoignage.
Donc, Judge Laverne, si je reprends, vous nous dites que le témoin ne dit pas la vérité lorsqu'il indique qu'il a travaillé à M13, qu'il a travaillé au service de l'Economa. Est-ce qu'il a travaillé à M13 en dehors de l'Economa? Est-ce qu'il est venu à M13? Est-ce qu'il a pu voir quelque chose de M13? Ou est-ce que selon vous, il a tout inventé? The accused, Jonas, this person is not a staff of the M13 ce juge, office. Cette personne n'était pas membre du personnel de M13. Therefore, he had no duty assigned by him to exchange for rice or food supply. He had no right to enter the M13 office. He did not see anything clearly with his own eyes of the events of what happened at M13 office. This person, Jan Boon. So as I have just stated to your honors, comme je viens de le dire, this is a fabrication, a complete fabrication, ce sont des inventions or probably from what he heard and he added something on top. Des choses qu'il a entendu there dire was some truth in it, for example, about the three pits. Yes, that is true. Qui sont vraies, c'est vrai, il y avait trois fosses. So in summary, Jan Boon is not a staff of the M13 office. He is not the economic unit staff of the M13, and he did not see anything with his eyes at M13 office. And about my crimes on the people in Om Leng, I could not forget it. It is a serious matter which affects me psychologically. M'affecte personnellement, psychologiquement. And I cannot accept his testimony. Je ne peux pas accepter cette déposition. Judge Lavergne. Est-ce que M. Chen Weng, le témoin, a entendu ce que l'accusé vient de dire? Et est-ce qu'il a des commentaires à faire? Est-ce qu'il confirme ses précédentes déclarations? Ou est-ce qu'il souhaite faire des rectifications? Does he confirm his previous statements or does he wish to modify them, to rectify them? I would like to say that he said I'm not a staff of the M13 office and that he did not assign me into the economics unit. How come he said that? Because I was there with Sond. Alors que j'étais à M13 avec and he gave me the cloth in order to exchange for food for the detainee. How come he said I did not? Alors, comment peut-il how dire come que he said I was not a member of the M13 office? The whole villagers in Om Leng hated me. Tout le village de Om Leng they recognized me because I worked with him. And how come he said I did not work in that M13 office? Duc. Alors comment peut-il dire que je n'y étais pas? That is my statement to your honors. Voilà ce que j'ai à dire. Est-ce que le témoin peut nous dire s'il a eu connaissance d'un détenu qui a été à M13 et qui était quelqu'un qui avait coupé la tête d'une autre personne? Est-ce que c'est une histoire qui lui évoque des souvenirs? Does this bring up any memories in you, this event? The witness, I did not see it, I did not know about this fact. Je n'ai pas vu et je n'ai pas connaissance de ce fait. Voilà, je n'ai pas d'autres questions. Judge Sagan, well, I do not have any further questions to ask. The President, Judge of the bench, you have any questions for the witness? Y a-t-il d'autres juges qui souhaiteraient poser des questions aux témoins? If there is no question, the chamber, the floor is now for Judge Cartwright. Judge Cartwright. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. You mentioned that
détenus qui étaient amenés à M13 there were men, women, and children. Des hommes, des femmes et des enfants. Est-ce bien exact? The witness. Réponse. Yes, that's what I said. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. And you mentioned that the children et vous avez were dit young, que three les to enfants étaient jeunes, old. Qu'ils avaient is that correct? À peu près 3 ou 4 ans. Est-ce bien exact? The witness, that is correct. Oui, c'est exact. During the times that you were in the camp at M13, pendant votre séjour à M13, how many children did you see? Combien d'enfants avez-vous vu? The witness. Réponse. I saw about three young children. J'ai vu à peu près 3 jeunes enfants. Do you know what happened to those children? Savez-vous ce qui est advenu de ces enfants? The witness. Réponse. So when the mother was brought in, the children came along. Ces enfants sont arrivés avec leur mère. Question. And were any of those children from Am Liang district? Et est-ce que ces enfants venaient du district d'Am Liang? The witness. Réponse. They were all from Am Liang. Oui, ils venaient tous d'Am Liang. Do you know question. If any of those children went back to their si villages? Ces enfants sont ensuite retournés dans leur village? The witness. Réponse. No. Even the mother and the children were all disappeared. Non, les enfants et leur mère ont tous disparu. And question. How many women did you see combien at de femmes M13? Avez-vous vu à M13? The witness. Réponse. The woman with the children? La femme avec les enfants? Detainees who question. Were women, whether they had children with them. Combien de femmes avez-vous vu parmi les détenus, que ce soit des femmes accompagnées d'enfants ou non? The witness. Réponse. I saw that woman with the three children. J'ai vu cette femme the avec mother trois was enfants. Arrested and the children la mère came a along. Été arrêtée et les enfants and ont été emmenés avec there elle. Other women detainees question. Who did not y avait-il have d'autres children femmes with détenues them? Qui n'étaient pas accompagnés d'enfants? The witness, réponse, no. Non. So you saw only one woman, and that woman had three children with her. Et cette femme avait avec elle 3 enfants. The witness. Réponse. I saw three children. And the children came along with j'ai the mother trois enfants who was arrested. Et ces enfants ont été amenés avec la mère qui a été arrêtée. Did that woman question. Was she detained in a pit as you described est-ce it que cette before? Femme a été placée dans une fosse? Bad. Réponse. The witness. Yes. The mother was oui. Detained by Dutch. La femme and a été arrêtée par Dutch. The children came along with the mother from the sub-district. Et ces enfants ont été and amenés avec elle they aussi. Kept ils venaient du in sous-district. A question. Et est-ce qu'on les a placés dans or une fosse ou bien est-ce que ils étaient gardés dans une autre partie du camp? The witness. Réponse. He was kept outside in order to look after the children. Ils étaient gardés ailleurs pour que la mère puisse s'occuper de ses enfants. Only merci, breath. Dit la juge Coltrane. The president, le président, the chamber will adjourn nous allons maintenant 20 suspendre minutes la séance pour until 10 l'audience to 11. Pour 20 minutes. Nous reprendrons à 11 heures. Court officer, can you bring the witness to the waiting room and bring him back at or before 10 to 11. De le faire revenir pour qu'il reprenne sa place un peu avant 11 heures.